Oui, je suis venu parce que j'ai été invité pour parler de lobbying responsable et je trouve que c'est un bon sujet pour ProDurable parce que vous savez par exemple que la démission de Nicolas Hulot était liée en partie à des questions relatives au lobbying en matière de développement durable. Donc c'était l'occasion pour notre organisation Transparency de rappeler que le lobbying est important pour la démocratie mais qu'il doit se faire à visage découvert. Se faire à visage découvert, ça veut dire qu'il doit être transparent. Les entreprises doivent nous dire effectivement quels sont les efforts de lobbying qu'elles font. Le lobbying doit aussi être intègre, c'est-à-dire il doit se faire dans des conditions qui soient absolument insoupçonnables par rapport aux gens à l'égard de qui on fait du lobbying. Et troisièmement, le lobbying doit être équitable. Ça veut dire que les pouvoirs publics doivent entendre aussi bien les puissants que ceux qui le sont moins pour prendre en compte l'ensemble des questions qui se posent.